Bonjour, je suis Liliane Dejooms, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode! Franchement, la vie, elle est trop courte. Kiffez votre vie, faites ce que vous avez à faire et kiffez vraiment votre vie. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Bonjour, je suis Liliane Dejooms. Aujourd'hui, je reçois Asa. Asa de Itado Coaching, qui est coach de vie et thérapeute holistique. N'hésitez pas à regarder cet épisode parce que, encore une fois, vous allez apprendre beaucoup de choses. À très vite. Be yourself. Just be yourself. Bonjour et bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission sur le développement personnel qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je reçois qui ? Je reçois Asa de Itado Coaching. Je vous laisserai aller regarder sa page après, mais elle va expliquer qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu nous proposes, Asa. Bienvenue dans mon émission. Merci. Merci pour l'invitation et je suis ravie de participer à cette émission. Mm-hmm. Du coup, alors c'est... Qui es-tu ? Qui je suis ? Oui. Alors je suis Asa, une jeune femme d'origine malienne. Mm-hmm. Et je suis aussi coach de vie et thérapeute holistique. D'accord. Alors qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs et aux auditrices qui regardent cette émission ? Quelles sont tes activités exactement ? Alors, j'ai plusieurs casquettes, donc il ne faut pas trop s'y perdre, mais quoi qu'il en soit, la mission finale de toutes les casquettes que je porte, c'est d'accompagner la personne à être en phase avec sa vie, mmh. et être à l'aise dans ses baskets, être bien dans sa peau. Du coup, pour ça, je propose des séances de coaching en individuel. Mmh. Je propose également des soins énergétiques, on reviendra après peut-être plus en détail dessus. Je propose aussi des sessions de formation, du coaching collectif, et je finis une formation d'hypnothérapeute. Ça m'intéresse. On va parler de ça juste après. Donc, si je comprends bien, tu accompagnes les gens pour développer leur potentiel. Tout à fait. Révéler leur potentiel. Je crois que j'ai même lu ça sur ta bio. Révélatrice de potentiel. Et du coup, l'idée, c'est effectivement, par cette émission, pouvoir donner des conseils aux gens qui ont du mal à trouver leur chemin, surtout en ces périodes un peu difficiles, de leur donner des conseils pour accéder à ce développement de leur potentiel. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tu as parlé de beaucoup de choses, tu as parlé d'énergie, ça m'intéresse déjà. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, on a dit coach holistique, peut-être que les gens ne savent pas forcément trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux juste donner, en tout cas par rapport à ce que toi tu fais, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la thérapie holistique ? Ça consiste à prendre la personne dans sa globalité. Mmh. Un petit exemple pour faire simple, c'est que quand on va chez le médecin pour des problèmes de sommeil, en général, les médecins vont s'arrêter sur le symptôme ou un des symptômes. Et pour des problèmes de sommeil, on va donner un somnifère et hop, vous rentrez chez vous et vous prenez votre somnifère. Moi, la différence entre le médecin ou autre praticien de la médecine conventionnelle, c'est que au-delà du problème de sommeil, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qui déclenche le problème de sommeil. Et souvent, j'accompagne pas mal de personnes qui sont angoissées ou qui ont des troubles liant à l'anxiété. C'est que très généralement, c'est que le cerveau, il n'arrête pas à se mettre en mode stop, où on a du mal à lâcher prise. Et du coup, on va travailler sur comment on peut faire pour faciliter le sommeil en fonction de la personnalité de chacun. Mmh. Ça peut être de la méditation, ça peut être des petits exercices pour se détendre. Mais on va aussi aborder l'origine du problème pour comprendre pourquoi, du coup, il y a ce problème de sommeil. D'accord. Donc, on parle de potentiellement de traumatismes, de choses qui ont déclenché le mécanisme du cerveau dont tu parles, pour pouvoir aller trouver l'origine, la soigner, penser, je ne sais pas comment on peut dire ça, et avancer. C'est ça. Ça peut être un traumatisme, mais ça peut être aussi des préoccupations, hein. Mm-hmm. Des choses qui tournent justement, comme sur le PC, il y a des choses qui tournent en arrière-fond, qui ralentissent le PC, mm-hmm. et on peut être préoccupé, angoissé par des choses où... des choses où on n'a pas trop de contrôle ou des choses qui nous font peur justement, dont on n'est pas conscient, mais le mental, lui, il est conscient qu'il y a un problème à régler. Et souvent, quand on ne prend pas le temps de se poser, de regarder ce qui se passe autour de nous, on ne s'en rend pas compte et « Ah, j'ai des problèmes de sommeil, je ne comprends pas. Mmh. » Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on voit un peu le mécanisme que tu utilises pour que les gens prennent conscience de l'origine peut-être du problème, même s'ils ne viennent pas te consulter? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver cette origine? Comment on fait pour trouver cette origine par rapport au sommeil ou pour tout autre? De manière générale, puisque j'imagine que t'as pas, enfin, les gens ont des troubles du sommeil, ont d'autres troubles qui ont une origine, et effectivement, on peut, par différents moyens, trouver cette origine. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à côté, j'ai une formation de coach. Après, il y a aussi mon passé vécu personnel et pro qui fait que
j'ai choisi d'exercer ce métier, mais je suis aussi de nature assez empathique et intuitive. Donc après, c'est toujours la même manière de faire, mais souvent quand la personne vient m'exposer son problème, c'est les questions que je vais poser. Et très souvent, on me dit « Ah ouais, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question-là. Là, ça pique un peu, attends, etc. » Et en fait, c'est par le questionnement. Moi, ce que j'amène, en fait, c'est quand la personne arrive à aller sur son problème comme ça, et ce que j'amène avec mes questions, c'est élargir le champ. Et du coup, là, on a une autre vision sur le problème et on se dit « Ah ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à cette piste-là, je n'avais pas regardé de ce côté-là. » Effectivement, avec un peu plus de recul et avec ces questions-là, je vois où est-ce qu'est-ce qui a posé problème. Et finalement, dans chacune des situations qu'on rencontre, bah, très souvent, on s'arrête sur le comportement de la personne qui est en face, mais on a aussi sa part de responsabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour justement atterrir dans cette situation-là? Sauf que bah, le faire seul, c'est difficile. Et quand on a quelqu'un en face qui nous pose des questions, là, on se dit, ah, effectivement, peut-être que là, j'aurais peut-être dû agir comme ça ou peut-être agir de telle ou telle manière pour modifier la situation. Tu as parlé très justement tout à l'heure de peur. Souvent, les gens ont quand même peur d'aller regarder aussi l'origine, la fameuse origine dont on parle. Alors, comment on fait pour dépasser cette peur? Parce que c'est souvent un peu difficile pour les gens de se dire « Ah, je vais aller gratter là où ça fait un peu mal, quoi, finalement. Bah, » Très simplement, moi, déjà, avant de commencer à travailler avec une personne, j'ai toujours une séance découverte que je donne la possibilité aux gens d'échanger avec moi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une relation de collaboration. C'est-à-dire que je ne peux pas forcer la personne à. C'est la personne qui vient, qui m'expose son problème. Si je peux l'accompagner, effectivement, on continue ensemble. Mais si je ne peux pas l'accompagner, je lui dis, je l'oriente vers tel ou tel type de professionnel. Et une fois qu'en fait, on a fait cette première séance, ça passe ou ça ne passe pas. Et quand ça passe, en général, bah, la relation de confiance, elle s'installe. Après, je ne suis pas une tortionnaire, donc... Alors, Asha n'est pas une tortionnaire, vous pouvez l'avoir en toute confiance. Donc, non, mais c'est vrai que souvent, pendant les séances de coaching, pendant les échanges, etc., les clientes, elles me disent, ah, mais c'est sympa parce que c'est vrai que bah, on travaille sur moi, mais on rigole aussi. Je dis, bah, attends, c'est pas parce qu'on travaille qu'on n'a pas le droit de rigoler. Bien sûr. Et enfin, je trouve que c'est beaucoup plus agréable avec le sourire et tout ça. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas rire de tout non plus, on ne peut pas faire des blagues pour tout, mais c'est important pour moi de pouvoir prendre en compte l'être humain que j'ai en face de moi. C'est pas un ordinateur, c'est pas un robot. Donc une fois que cet échange il a été fait, j'explique ma manière de travailler. Moi, je suis vraiment transparente, c'est-à-dire que bah voilà, c'est si moi il y a des choses qui ne me conviennent pas, je le dis, mais pour la cliente ou le client, c'est pareil. S'il y a des choses qui ne conviennent pas ou des choses qui ne sont pas comprises, faut pas hésiter à le dire. Et le but, c'est que la personne puisse s'en sortir et être bien dans sa peau. Donc voilà, c'est moi, l'avis du client, il est très important et il faut que ça soit vraiment de la collaboration. On est ensemble. Je ne suis pas là pour dire fais comme ça, non, je suis vraiment ensemble. Bah, de toute façon, soyons clairs sur le coaching, quand tu en fais, l'idée c'est, comme tu le dis, de faire une collaboration, mais c'est surtout que l'autre agisse aussi, parce que je peux donner plein de conseils aux gens, je le répète à chaque émission, mais tu peux donner plein de conseils aux gens, si la personne ne se met pas en action, ça ne sert à rien. Tout à fait. Voilà, donc soyons clairs, tous les conseils que tu peux donner, toutes les indications, toutes les, voilà, les choses que les coachs vous donnent en général, il faut vous mettre en action derrière pour que votre vie change et que vous puissiez trouver votre chemin. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est comme quand on lit un livre de recettes. C'est pas parce qu'on a lu les recettes et qu'on a compris tous les ingrédients et toutes les étapes que ça signifie qu'on sait faire, le plat qui est indiqué. Il faut pratiquer pour pouvoir savoir le faire. Je suis d'accord complètement. Tu as parlé également d'énergie. Donc tu vas nous expliquer un peu. J'ai vu que tu faisais du Reiki. Donc explique-nous un peu comment tu amènes ça dans ton processus pour aider les gens. Alors, comment j'amène ça? Alors déjà, l'énergie, c'est une notion qui peut paraître un peu vague pour certains. On se dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, énergie? Bah, c'est simple, pareil, on est tous faits d'énergie, on a tous une activité énergique au sein de notre corps. Sinon, bah, y a certaines fonctions qui ne seraient pas possibles. Quand on mange, on prend de l'énergie. Quand notre corps se chauffe, bah, quand il fait froid et qu'on se réchauffe et qu'on est en train de trembler, c'est une manière pour notre corps de produire de l'énergie, dont la chaleur. Quand on a chaud, bah, on transpire. Pareil, c'est pour évacuer le surplus. Et c'est pareil pour tout être humain. Après, au-delà de tout ce système énergique, on a aussi toute l'énergie qu'on peut envoyer autour de nous. Quand on rentre dans une pièce, par exemple, quand on arrive chez des amis, le couple s'est disputé, on le sent, mais c'est par l'énergie qu'on renvoie aussi. Quand on arrive et que la personne elle est de bonne humeur et qu'on se dit « Ah bah super, on va passer une bonne soirée », pareil, l'énergie qu'on renvoie, on parle souvent de bonnes vibes. Ou quand on rencontre quelqu'un, je la sens pas trop celle-là, c'est de par l'énergie qu'elle renvoie aussi. Donc tout ça pour dire que moi, la méthode que j'utilise, c'est le Reiki.
C'est une méthode d'origine japonaise. Et en fait, là, ça peut se faire en physique, sur une table de massage ou à distance. Et du coup, c'est, j'envoie, je sers de canal d'énergie. Et je, comment dire, c'est inspiré aussi de l'acupuncture. Enfin, il y a pas mal de choses d'origine orientale et enfin, asiatique, pardon. Et en fait, je pose mes mains sur différents chakras, méridiens. Et à partir de ça, bah, du coup, j'envoie de l'énergie là où il y a besoin. Et l'énergie circule à travers le corps. D'accord, c'est une forme de rééquilibrage, si je peux dire ça. Énergétique, oui. Énergétique, ok. Et du coup, ça, tu l'as pratiqué régulièrement. Comment est-ce que tu abordes ça? Parce que l'énergie, comme tu le dis, les gens disent « Ok, madame, vous êtes sûre que tout va bien ?»« Tout va bien dans votre tête ?» Non, mais c'est vrai, il faut être clair, l'énergie pour les gens, comme tu le disais tout à l'heure, c'est très abstrait. Et bon, l'énergie, elle est sympa, mais en fait, moi, je ne vois rien qui passe. Mais oui, effectivement, pourtant, l'énergie, vous ne la voyez pas. Ouais, on ne la voit pas, mais on la sent. Mais on la sent. Comme l'amour, vous ne voyez pas, mais vous savez que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Donc, c'est pas un truc qu'on vous dit comme ça dans l'absolu. Effectivement, vous êtes fait d'énergie, vous êtes fait d'eau, vous êtes fait de matière, mais vous êtes aussi fait d'énergie. Donc, cette énergie-là dont on parle, effectivement, qui circule dans le corps, après, comment est-ce que tu te rends compte que la personne a... Enfin, que tu as bien fait ton boulot, du coup, que tout ça, ça circule et qu'effectivement, elle peut partir sur des bases un peu plus saines. Mais alors, très généralement, quand les personnes, elles viennent, c'est parce que soit elles sont un peu angoissées ou un peu stressées, etc., et elles ont besoin d'être... Apaisé, et on remet l'énergie là où ça doit aller. Quand c'est pour des choses assez simples comme ça, une séance suffit amplement. Mmh. Et à la fin de la séance, quand les personnes se lèvent de la table, elles me disent « Ah, c'était bien !» Après, quand c'est pour d'autres, on va dire, d'autres thématiques un peu plus compliquées, tout ce qui, j'accompagne aussi pas mal de femmes sur tout ce qui est les règles douloureuses ou les problèmes liés à l'endométriose ou la fertilité. Là, en général, il faut un peu plus de soins pour pouvoir réparer tout ça. Non, je disais, l'énergie, effectivement, une fois que tu t'es rendu compte que la personne, elle a pris ce que t'as, ce qu'elle va prendre, après, j'imagine que tu continues l'accompagnement pour pouvoir aller plus loin et aller chercher, justement... il y a aussi cette fameuse source, parce que l'énergie, à un moment donné, elle est bloquée pour une raison. Donc, ça, c'est aussi un des exercices que tu dois faire pour aller gratter toujours la même chose et aller trouver où est la source du problème, finalement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne que tu as pu suivre et sur laquelle ton travail a amené à un résultat quand même qui était satisfaisant pour toi et pour elle? Oui, alors en fait, j'ai souvent les clientes que j'ai en soins Reiki, très souvent en fond du coaching aussi à côté. J'avais accompagné une cliente qui était en procédure de divorce et elle avait un bébé en bas âge. Et très souvent, quand la maman elle est stressée, énervée, les enfants ils le sentent et ils deviennent aussi, ils absorbent cette énergie. L'énergie, aussi. Ouais. Et du coup, ce qu'elle m'expliquait, c'est que elle était stressée, etc. et que son fils avait du mal à dormir. Et je lui ai dit, c'est par ricochet. Donc, quand elle a fait le soin Reiki, je l'ai senti beaucoup s'apaiser, ça lui a fait énormément de bien. Et quand elle est rentrée chez elle 2 heures après, qu'elle m'a dit « il ne s'est jamais couché aussi facilement », je dis « oui, parce que c'est toi, tu es apaisée, donc l'énergie que tu renvoies est aussi apaisante, donc forcément, ça l'apaise lui aussi ». Et du fait d'avoir déjà fait des séances de coaching, donc la personne, parce qu'en général, il y a des personnes qui arrivent qui sont réticentes ou qui se posent des questions, qui ne sont pas trop à l'aise, le fait d'avoir fait les séances de coaching en parallèle et d'avoir fait le soin Reiki, la relation qu'il y a entre nous deux, elle est totalement différente. C'est-à-dire que la personne, elle aura beaucoup plus de facilité à se livrer et sans se poser de questions, sans trop mettre de mécanismes de défense. Et je trouve que ça facilite vraiment beaucoup le travail que je fais à côté. Ok. Donc, parce que c'est un travail très global que tu fais. L'énergie, pour moi, c'est une des choses essentielles. Bon, je le répète encore parce que forcément, les gens y croient ou ils ne croient pas. C'est très bizarre de dire ça, mais voilà, il n'y a pas à croire ou pas croire, vous êtes fait d'énergie aussi. C'est ça. Donc, on vous le dit. Mais du coup, c'est vrai que le travail complémentaire entre le coaching et le travail sur l'énergie, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir quelque chose de très complémentaire finalement. Et d'accompagner. Alors, tu accompagnes plus les femmes, les hommes? J'ai plus de clients de femmes. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une question comme ça qui vient, mais est-ce que tu as une explication? Parce que souvent, quand je pose la question, c'est effectivement plus les femmes qui vont faire ce type d'aide. Et les hommes ne se sentent pas forcément, poussés vers le coaching, en tout cas vers l'accompagnement, un peu pour les aider à avoir plus confiance en eux. J'ai eu quelques hommes, après l'accompagnement il est beaucoup plus court, mais je pense que ça tient aussi du fait qu'on ne fonctionne pas pareil. Nous les femmes, on a plus tendance à avoir ce besoin de parler, d'échanger,
Alors que les hommes, en général, c'est plutôt je vais chercher des solutions de mon côté. Mm-hmm. Et si j'ai un souci, là, je vais les demander. Et c'est vrai qu'en général, les séances, c'est une, deux séances. Une fois qu'on a fait le tour du problème, ils ont posé leurs questions. C'est très tac, tac, tac. Mm-hmm. Et merci, c'était sympa. C'est bon, j'ai plus besoin. Il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes satisfait, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup plus court pour les hommes. Donc, on a plus tendance, nous, à mettre sur carte sur table et donner... Mm-hmm. Mais soyez sensibles, les gars, voilà, allez-y, c'est parti, là. Comment... Après, c'est pas le même mode de fonctionnement aussi, donc c'est sûr qu'ils vont pas chercher les mêmes choses non plus. Ouais, en termes d'éducation aussi, on apprend après, on est pas... Après, voilà. Non. Okay. Un homme, on lui apprend à pas pleurer, à être fort. Soyez sensibles, les gars, c'est comment. Voilà. Ok. Du coup, par rapport à tout ce que tu fais, est-ce que tu as des conseils un peu plus... précis par rapport à des situations que tu as vécues, que tu pourrais donner et qui permettraient effectivement aux gens de trouver leur chemin via l'énergie, via tout ce que tu pratiques aujourd'hui en tant que coach. Moi, le conseil que je donnerais, c'est dans la vie, tout est une question d'équilibre. Mmh. C'est-à-dire que ça soit l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, que ce soit l'équilibre entre la vie familiale et sa propre personne. C'est important de maintenir un équilibre entre tout ça. Et souvent, c'est vrai que j'accompagne des femmes qui ont des enfants, une famille, et elles finissent par s'oublier. Faut pas oublier que chacun d'entre nous, on porte différentes casquettes. On est la mère ou le père de quelqu'un, le frère, la sœur de quelqu'un, l'employé ou le chef de telle ou telle personne. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, on est aussi un être humain avec des besoins et des besoins qui sont importants aussi. Mm-hmm. Et la base de la base, c'est dormir suffisamment, manger suffisamment, penser à s'hydrater, boire de l'eau. Mm-hmm. C'est pas évident pour tout le monde, mais il y a des bases qui sont là et... on se rend compte que quand on ne les respecte pas, on se retrouve fatigué. Oui, mais quand est-ce que tu as fait une bonne nuit pour la dernière fois? Je ne sais plus, je ne sais pas. Quand est-ce que tu as pris un vrai repas équilibré? Je ne sais pas. Quand est-ce que tu t'es reposé, que tu as pris du temps juste pour toi, juste pour te reposer? Voilà. Et je me dis, ça c'est juste la base. Après, c'est sûr que je ne vais pas vous dire de faire des siestes de 4 heures tous les jours, de toute façon. Une sieste de 4 heures, c'est un peu long, mais je pense que c'est important de pouvoir... équilibrer tout ça, surtout avec le quotidien, la vie, le stress, entre courir à gauche, à droite, ou toutes les différentes responsabilités qu'on peut avoir, c'est important de prendre du temps pour soi. D'accord. Donc, prenez du temps pour vous. Alors comment, justement, parce que c'est bien de dire ça, mais comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut s'autoriser pour commencer, parce que trouver des excuses pour ne pas faire, on peut tous en trouver. Mmh. Et je pense que c'est important de s'autoriser à. Et souvent, celui qui prend le temps de juste rien faire, c'est souvent mal vu. Non mais attends, tu fais quoi? Tu fais rien? On a aussi le droit de rien faire. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça toute la journée non plus. Tu sais pas, on n'y voit rien. C'est une question d'équilibre. Mais c'est important de prendre du temps, juste se poser... Quand on passe la journée sur le téléphone, sur l'ordinateur ou s'occuper de un tel, on se rend compte que notre cerveau, finalement, il n'a pas le temps de juste se poser et souffler. Souffler. Donc, on casse ça comment? Dans un emploi du temps? On se dit, on a un petit rituel du matin. Qu'est-ce que tu préconises pour faire ça? Parce que c'est aussi des choses, des habitudes à mettre en place que les gens n'ont pas forcément. De se dire, à un moment donné, je vais prendre peut-être 20, 30 minutes, une heure dans la journée, rien que pour moi. Au-delà des enfants, du mari, du boss, de n'importe qui, je vais prendre du temps pour moi. On fait comment pour le caser dans cet emploi du temps qui est selon nous, toujours surchargé? Justement, je pense que c'est faut se le programmer. Et moi, j'appelle ça le sas de décompression. Mmh. Pourquoi le sas de décompression? Parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont mamans, etc. Et je leur dis, entre la journée de travail, la journée de maman, quand tu rentres le soir et que tu dois t'occuper de toutes les tâches quotidiennes, ça s'adresse aussi aux hommes. Je pense qu'il y a aussi des hommes... Ils s'occupent de leur foyer. Non, c'est pas vrai. Et bon, il y en a pas. Mais je pense que c'est important de se mettre à un sas de décompression avec ou sans enfants, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants. On n'est pas des robots, on reste des êtres humains. Et moi, je pense que c'est important d'instaurer ce sas de décompression qui peut être à l'heure du goûter ou à l'heure où on rentre chez nous, à l'heure où on finit sa journée de travail, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en télétravail. Mm-hmm. C'est ce sas de décompression qui peut se faire à midi, en fin de journée, où on se dit, c'est soit je me prends mes 15 minutes ou mes 30 minutes, mais c'est 30 minutes pour faire une activité qui nous fait du bien. Mm-hmm. Ça peut être écouter une petite playlist de musique qu'on aime bien, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder un épisode d'une série.
On a bien dit un épisode. Hein. Oui, pardon, on passe pas la nuit pour regarder les trucs et se relever le lendemain matin complètement en chaos. Hein. Ça peut être un bain moussant, ça peut être préparer un plat qu'on aime bien. Enfin, c'est vraiment un moment où on se dit je fais une chose que j'aime bien faire et qui me fait du bien. Mm-hmm. Parce que ça permet de se ressourcer. Okay. Je parlais avec une autre personne que j'ai interviewée de l'entourage. Par rapport à ça, est-ce que selon toi il faut avoir des personnes ressources et des gens qui sont autour pour justement continuer à booster ce chemin que vous voulez emprunter? Je pense que oui, c'est important de faire le ménage autour de soi parce qu'on peut le voir qu'il y a des personnes qui nous prennent beaucoup d'énergie, mm-hmm. et il y a d'autres personnes à l'inverse qui nous ressourcent et qui nous font du bien. Et pareil, c'est encore une question d'équilibre, c'est on ne peut pas passer une journée entière avec quelqu'un qui nous met dans un état de tension et de nerfs. Mmh. Et je pense que c'est important de faire le tri. Quand on regarde de plus près, je pense qu'il y a des personnes, on n'a pas forcément besoin d'être en interaction tous les jours avec elles. Mais pareil, tout ça, ça contribue aussi à nous maintenir dans une bonne vibes. Dans un état d'énergie qui sera suffisant pour nous. Et c'est comme quand on fait le ménage à l'intérieur de chez soi. À un moment donné, quand on ne fait plus le ménage, il y a la poussière et les saletés qui s'accumulent. C'est pareil pour le mental. Hein. Mm-hmm. Okay. Vous avez bien entendu, faites le ménage. Faites bien le ménage, il faut bien frotter. Ok. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres conseils que tu voudrais donner à nos auditeurs qui pourraient les aider effectivement encore à toujours avancer sur le chemin? Ça c'est une bonne chose. Alors, apprendre à se connaître. Effectivement, on est sur quelque chose d'hyper important, voire d'essentiel. Apprendre à se connaître. Et moi, je parle toujours de l'amour de soi, parce que c'est une de mes spécialités. Voilà, apprendre à se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Ce qu'on ne sait pas faire aussi. Après, quand on parle d'apprendre à se connaître, il y en a qui vont me dire que c'est souvent très, très abstrait. Mm-hmm. Moi, j'aime bien les images. Si je te passe aujourd'hui une 206, tout le monde sait à peu près ce que c'est la voiture, la 206. Mm-hmm. Tout le monde sait à peu près ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et les options qu'a cette voiture. Si demain, je te passe une voiture que tu ne connais pas, je ne sais pas, la dernière Jaguar, tu ne connais pas la voiture. Je préfère la Jaguar à la 206. Tu vas préférer la Jaguar à la 206. Oh, comme ça, juste pour la marque, mais je ne connais pas forcément le modèle. Voilà, et du coup, quand on ne connaît pas le modèle, si on ne sait pas quel carburant va dedans, si on ne sait pas quelle option a la voiture, on va l'utiliser comme une voiture banale. Mais on ne sera pas dans l'utilisation de la voiture au max de ses compétences. Mmh. C'est-à-dire que prendre sa 206 pour aller acheter sa baguette de pain et prendre sa Jaguar pour acheter sa baguette de pain, il n'y a pas trop de différence. Mais si demain tu dois faire de la route et que tu dois aller super loin, je pense que tu seras quand même plus confortable en Jaguar si tu connais les options qu'elle a, si tu sais l'utiliser. Et je me dis, c'est pareil, je ne veux pas dire que tu es une 206 ou une Jaguar. Hein. Je veux juste te dire que... Choisis qui tu veux être. Choisis qui tu veux être. Et quand tu te connais assez bien, tu peux te faire confiance. Et quand tu te fais confiance, là, il y a l'amour qui va avec. Et tu te dis, j'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable de faire telle ou telle chose. Je sais que je ne suis pas trop capable de faire telle ou telle chose. Mais je peux me former ou je peux demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Et du coup, le fait de se connaître, ça permet d'être beaucoup plus... en confiance avec soi-même, ça permet aussi d'apprécier ce qu'on fait et tout ça, ça permet d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets et on n'a rien à prouver en fait à personne. Tu marches droit et tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et t'as le smile et tu le partages avec les autres. C'est ça. Alors sur cette dernière parole de smile, je vais laisser là-dessus. On va passer au jeu. Alors je t'en ai pas parlé en off, mais on fait un petit jeu qui s'appelle le jeu du Bami Game. Je te pose une ou deux questions par rapport à toi et ton intimité. C'est pas très intime. Mais en tout cas, voilà, je pose quelques questions donc sur le Bami Game. Et la première question que j'ai pour toi, c'est une question que je pose régulièrement pendant mes interviews, c'est est-ce que tu as un souvenir que tu as avec un souvenir heureux que tu as avec un des membres de ta famille? Je vais y arriver. Un souvenir heureux avec un des membres de ma famille. Alors j'ai deux parents et six frères et sœurs, faut que je choisisse. Alors j'avais pas pensé à ça. Non, parce qu'ils sont nombreux chez elles. Non mais choisis avec tes parents, on va dire. Avec mes parents. Mais j'allais choisir mes sœurs. Écoute, avec tes sœurs alors, allons-y. D'accord. Alors un souvenir heureux avec mes sœurs, c'était pendant l'adolescence. En fait, on est quatre filles, mm-hmm. et en fait on se suit les unes les autres, on a toutes un an d'écart. Mm-hmm. J'espère que ma mère regardera pas l'émission, mais c'est pas grave. En fait, il y a une période où on aimait bien sortir en cachette,
Et comme on avait... Si maman, tu regardes, maman de Assa, elle sortait en cachette. Bon, il y a prescription. Oui, c'est il y a bon. Prescription, ça va. Je suis majeure depuis longtemps. On est toutes majeures, c'est bon. Et en fait, on sortait. Alors, il y en avait toujours une qui savait qu'il y avait des soirées dans telle ville et la ville d'à côté. Et du coup, moi, je regardais les horaires des trains pour prendre le dernier train. Je suis la plus grande. Chef de bande. Et en fait, on était assez complémentaires. Donc, il y avait celle qui appelait pour dire « Ouais, on va arriver avec le dernier train. Il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui nous récupère à la gare et tout. » Et du coup, on était toutes coordonnées. Et après, il fallait franchir l'étape de la porte. Et la porte a grincé. Mm-hmm. Mon autre sœur, elle savait très bien l'ouvrir sans faire de bruit. Et il y en a une qui était tout le temps en retard et qui prenait toujours son temps et qui se cognait toujours. Donc, elle, on la faisait passer en dernière. Et en fait, on sortait avec des joggings dans la main. On les posait sur les boîtes aux lettres. On allait en soirée et on revenait, on mettait nos joggings. Et on se disait « Si on se fait cramer, on dit qu'on a été courir tôt ce matin. » Et franchement, on ne s'est jamais fait cramer. Bon, jusqu'à maintenant. Voilà, prochain dîner avec maman. Ok. Bon, non, ça c'est... franchement, je trouve ça excellent. Je trouve ça très, très drôle. J'ai jamais fait ça, c'est dommage. C'était sympa. Deuxième question, et ce sera la dernière du coup. Est-ce que tu es bonne pour prendre de la critique? Bonne pour prendre de la critique, oui. Ça dépend quelle est l'intention derrière. Mmh. Parce que entre la critique, on va dire les critiques constructives, les remarques constructives, ça, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui critiquent juste pour critiquer, genre il pleut, il fait moche, ça ne m'intéresse pas. T'as bien raison. Ok. À ça, dernier conseil peut-être que tu as en tête, comme ça, que tu veux lancer pour, avant qu'on finisse l'émission. Franchement, la vie, elle est trop courte. Kiffez votre vie, faites ce que vous avez à faire et kiffez vraiment votre vie. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Ok. Bon, sur ces dernières belles paroles, je te remercie Assa d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver évidemment cet épisode sur upgradepodcast.paris, sur upgradeshow.paris et toute l'actualité sur les Jooms. Et n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner. À très vite, bye. Be yourself. Just be yourself.